il est 7h30, on est à Portmans toujours, de bon matin, et c'est une nuit, mais alors du bonheur. Et puis là, 7h30, il y a une petite houlette qui a commencé par rentrer, là il y a un bon vent qui commence un peu à gronder dans les haubans. Et voilà, un aspect de la plaisance, on est là au mouillage, tranquillou, et puis ça se lève, et ça se lève... alors que la météo annonce variable 2 quoi hein, aujourd'hui, c'est-à-dire rien, pas de vent. Et ici on le voit, là ça commence à bien remuer dans le mouillage. Alors la sempiternelle question, que faire? Je bouge pas, j'y vais pas. Bon là-bas on a un petit kyrié qui est parti déjà dans la ligne de limite, dans les petites bouées flottantes. Dans les premiers plaisanciers qui montent sur les ponts, qui disent alors on y va, j'y vais, ma mère reste. Bon, moi l'option c'est ben, je vais rester un peu là quand même, ça devrait pas être soutenu très longtemps cette affaire là. On ira bien, toujours prêt à partir sur le qui-vive. Finalement, on le quitte le mouillage. Voilà, il y a encore quelques bateaux, il y en a beaucoup qui sont partis, mais bon. Ça devenait un petit peu inconfortable. Ce n'était pas qu'une brise thermique matinale. Et puis s'il y a du vent, autant aller voir dehors comment ça se passe. Voir au navigateur. Soit on va naviguer parce que c'est bon, un peu vers le Lavandou là-bas. Et soit on va aller voir devant le Levant, là, pour remouiller devant le Levant, au calme. Voilà. On va voir ça. Manière, il y a du ZEF, donc ça va être bon, il y a des solutions. Bon voilà, on vient de faire un tour devant le mouillage de la plage, l'unique petite plagette du Levant. Bon, c'était calme, pas de vent, mais c'était légèrement agité, un petit peu houleux. Là, c'est le petit port-abri, hein, port-abri du Levant. Nous on va aller naviguer, on va aller en face là-bas. Et là-bas, nous. Allez, ça va aller. Bon, donc on va quitter le Levant. On va hisser la grande voile. Alors pour ce faire, eh bien, on va se mettre en face au vent, comme ça. Bien sûr, on est au moteur. Voilà. On regarde la girouette en haut du mât. Pour être bien bien pile poil dans l'axe du vent, comme ça, pilote, dernier coup d'œil, nickel, drisse de grand voile, nous voilà le bas, allez, tout à la drisse, allez go. Allez, ben en face là-bas. Voilà. On peut arrêter le moteur
Et après, on s'occupera du génois. Sous le vent. Alors sous le vent, on regarde toujours le rail où il en est. Le rail il est pas mal, je vais l'avancer un petit peu quand même parce qu'on va faire du 90 degrés du vent, 70-90. Le seul. Allez, go. La manivelle. Allez, on ouvre le taquet. On est parti. Voilà, là on est à 80 degrés du vent. 90. 90 degrés du vent, on est parti de suite. Ça gambade. Voilà, et après moi, très rapidement, je range tout. Toutes les amarres, les écoutes, les drisses, les bosses. Là je reprends un tout petit peu d'enrouleur. Voilà. Je réduis la manœuvre, comme on dit. Là, un petit tour. Et après, la drisse. Alors, on va prendre ce cap-là. Voilà. Et allez. On va ranger la drisse de l'endroit. Allez, bye bye. Tournant. Bye bye le levant. On marche bien. Le bonheur. C'est le bonheur. Voilà, ben Tabasco il marche à plus de 6 nœuds là, 6 nœuds et demi, on file droit sur Cavalère et il y a 16 nœuds de vent environ. Ça gambade bien, que du bonheur. C'est beau là, c'est beau.
voilà, Cavalière en face, la grande plage. C'est beau, que c'est beau. Autant de fois je viens ici, autant de fois je me dis que c'est beau. J'adore cette forme de colline là, bien verte. Oula, il y a trois barques de pêche devant, là, au moteur. Il va falloir se les impéguer. Hein. Voilà, mon tabasco qui gambade, se régale. Bien là, hein. Bon, là-bas on va être bien abrité, je pense. Sinon, ben, c'est pas grave du tout, on redescend. On profite du vent et on file par là-bas. Ben voilà, on vient de là-bas au fond, là-bas, là on a le Levant, Porquerolles, et au fond là-bas, eh ben on le voit pas, Porquerolles, voilà, tout dessous. Et non, à moins que je me trompe. Non, non, c'est ça, Porquerolles, c'est pas ça. Ça, c'est Porquerolles, le Levant. Ah ouais, c'est ça. Et en bas dessous, ou alors Porquerolles et le Levant sont confondus, ça c'est Porquerolles, mais ça, ça serait quoi en bas? Non, non, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est, c'est le Ribaud, Rouveau, un truc comme ça, encore, ils s'appellent tous comme ça ici. Porquerolles et le Levant. Bon, enfin, on va s'en sortir. Et puis ici, on est où? Eh bien, on y est. Au paradis? Non, c'est pas le paradis, non. Mais c'est pas loin. Hein. C'est pas loin. Non, c'est beau, c'est beau. Voilà. Cavalière sur la commune du Lavandou. Une très très belle de plage de sable fin. Avec des petites maisons sympatoches. Voilà, on est par 5-6 mètres de fond. 7 mètres, quoi. Et on a mis 20 mètres de chaîne. C'est très très joli. Bon, on va faire un petit tour. Hein. Petit tour en vélo. Voilà, on laisse Tabasco, on prend mini Tabasco et le petit vélo Tender Terrain tout Tabasco. Allez, on est parti. Il est partout, ce Tabasco. Bon, et bien là, qu'est-ce qu'on fait? Et bien là, on est parti un petit peu en vadrouille. On a laissé le Tabasco. Voilà, donc, avec l'annexe à roulotte, qui est là. Ben, on est parti un petit peu promener. Une piste cyclable, là, derrière, et bien derrière Cavalière. Et l'annexe à roulette, et en bas dans le creux de verdure, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien le Tabasco, tranquillou, il est là, voilà, au mouillage, il est au mouillage, voilà, comme c'est beau. On est allé jusqu'au Rayol, et puis là on retourne et on va un peu, on va aller au Lavandou là-bas, voir un peu comment ça se passe.
ben il est 20h. 20h, le soleil se couche. Enfin, il se couche, il passe derrière la colline. Dedans, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on prépare le petit souper. Alors, ce soir au menu, salade avec des anchois, tomates, salade. Par-dessus, je saupoudre un petit peu de parmesan. J'ai 4 pâtes qui me restent. Et oh, faut pas l'oublier, lui. Le rosati, obligatoire. Allez, chill. Le rosé de la Cadière, du Var. Voilà. Je veux pas de pub, mais bon, c'est notre région, quoi. Donc. Et voilà, dehors, donc, la plage déserte. Qu'est-ce qu'on est bien. Voilà, et le soleil qui va basculer derrière la colline. C'était lecture jusqu'à maintenant. Mais demain va falloir penser à s'en retourner. Il va falloir rentrer. Et demain est vendredi. Ouais, c'est ça. J'ai aussi reculé l'auto, le Bimini, qu'est-ce que j'appelle. Le Bimini, j'ai enlevé une partie parce qu'il faisait frais ce matin. J'ai dit, tiens, mais je veux du soleil. Alors, j'ai fait un système pour garder le panneau solaire fonctionnement. Donc j'ai levé la toile, quoi. On voit la derrière. Parce que si je laisse la toile, ben, je retrouve le panneau. Petit inconvénient. Dans la toile, ben, je l'ai roulée un peu comme j'ai plus dessous. Là. On va remettre tout ça en ordre ce soir, que si jamais il faut partir dans la nuit parce qu'il y a beaucoup de vent ou je sais pas quoi. Voilà. Allez, bon, on va retourner à la cuisine. C'est parti.